Salut Internet, bienvenue dans ce nouvel épisode de mes aventures sur le GR10. On me dit souvent que je ne suis pas assez précis dans mes vidéos. Alors pour être aussi direct que l'artiste VG Dream, va te faire honte ! Au moins, on a compris. Le GR10 est une randonnée géante traversant les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée d'une longueur de 900 km. L'année dernière, j'ai déjà parcouru 100 km entre Hendaye et Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc cette année, j'ai repris de Saint-Jean-Pied-de-Port pour 110 km de plus avec la marque de vêtements BSF qui m'a sponsorisé cette année. En moyenne, c'est 25 km de rando par jour en pleine montagne. J'étais seul, autonome, pour affronter un des plus beaux relief de France. Ça va, t'as compris? Je te souhaite une bonne vidéo. Bisous. Ah, je sais jamais comment finir les trucs comme ça, moi. Ok, salut Internet, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans ce quatrième jour de l'aventure du GR10. Aujourd'hui, c'est parti pour une belle étape de 9-10 heures à peu près de marche. On va essayer de manger à La Pierre-Saint-Martin. C'est un petit village qui est à 4h25. Je suis à 600 mètres d'altitude, il faut que j'y monte à 1630 pour atteindre ce petit village. Et c'est une station de ski que certains peuvent connaître. Et il faut commencer par ce chemin qu'il y a derrière moi. Donc ça va être une belle journée intense et à mon avis au niveau paysage si on monte à 1600 mètres ça va être quelque chose. Bonne vidéo et appréciez ce nouveau vlog. Il va falloir limite que j'escalade. Faut que je passe par là. C'est chaud dans les rochers. Hein. Always kiss me like it's always. Take my hand and fall in. Et je suis dans une station de ski où il y a l'arrivée d'un télésiège et puis un snack juste derrière moi. C'est complètement vide, c'est complètement mort. On a du mal à s'imaginer que l'hiver il y a beaucoup de monde, qu'il y a la queue au bar. Tout est fermé. Tout est fermé, c'est un truc de fou. Je suis tout seul à 2000 mètres d'altitude quasiment. De marche, je crois que je suis même à 11. Je suis enfin arrivé au petit village de l'Esquin, il est 8h-20. J'ai dû faire 30 bornes à peu près. Je suis éclaté, je peux plus. Les genoux ont morflé. La descente a été hyper longue. On se retrouve au camping où là je vais pouvoir planter ma tente. À tout de suite.